Hey, sincèrement, sincèrement, hey, sincèrement, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de dégustation? Oui, ça fait combien... Wow! Hey, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé de pizza? Oui. Hey, là, la tête de ma mère, pour la première fois, on a pris une pizza mais qui vient de Paname, frère. Tu vois? C'est pas une pizza, ouais, la banlieue, je la connais trop bien, frère. Là, les... Tu te dis ou pas? Là, c'est là, elle vient de là. Oui, elle vient du bas département 75. Bref, yo les gens, salut à tous. Ouais, vous avez compris. Donc aujourd'hui, on se rend pour une nouvelle vidéo dégustation d'une bonne pizza barbecue. Mais quand je te dis barbecue, c'est pas les barbecues Heinz, le truc qu'il fait à l'usine. C'est des barbecues maison. Ça s'appelle des onion rings. C'est des oignons. Frit, d'accord? Là, par contre, c'est une sauce barbecue qui n'est pas fait maison, d'accord? Donc ça, c'est industriel, enfin, c'est... Voilà, c'est... Voilà, hop. Sans plus attendre, juste goûter leurs onion rings. Celle-là. Oh là là, putain. Putain, mais t'as l'impression, elle est mielleuse, elle est... Putain, c'est bon, laisse-moi tranquille. Un, deux, trois, let's go. Ça a un goût d'oignon le bordel, bon, tu me diras, c'est normal. Oignon, oignon, oignon. Vas-y, bref, laisse-moi. Eh, vous êtes chaud aujourd'hui. Hein. Non, on goûte celui-là. On va goûter leur pizza. Sauce barbecue. Donc viande hachée, oignon. Et c'est de l'oignon frit. Hein. T'as vu? C'est des oignons qui sont cuits. C'est pas des oignons qui sont juste mis par-dessus, comme ça, on a. Frit. Poivron, sauce barbecue, l'emmental, enfin les, c'est du gruyère emmental. C'est parti, un, deux, trois, let's go. Putain, ce côté, non mais putain, mais rigole pas, frère, j'ai rien dit là. Rigole, pourquoi tu rigoles? Tu dis quelque chose là? Mec, il rigole, tu vois, je te vois, frère. Non mais ça. Ce goûter mi-salé, mi-sucré. Putain, mais. C'est vachement bon. La tête de ma mère. J'en ai mangé de la pizza. Hein. J'en ai mangé. Mais celle-là. T'entends des crush, crush. Non, elle est moelleuse. Elle est moelle, ça te fond dans la bouche. C'est une sorte de sauce barbecue, t'es déjà mi-sucrée, tu vois, déjà faite maison. Tu vois, ça fond, tu vois. T'as l'impression d'une pizza au miel, chèvre miel. Putain, alors que c'est de la barbac. C'est des pizzas qui dégoulinent pas. Ultra instinct, franchement ultra bon. Ce que je vais faire, me reprendre un onion rings. Ah non, ah ouais. Ce qu'on va faire, c'est mettre la sauce piquante. Apparemment, la sauce piquante, ça donne, tu sais, un goût supplémentaire au bordel. C'est plus ça pique, plus ça donne envie de manger. Non, mais c'est vrai, hein. L'har qui woukle. C'est-à-dire, le piment, c'est s'il fait manger, ça donne encore plus l'appétit. C'est vrai, oula, c'est vrai. Prends un grec à Larissa, tu vas voir. Tu vas manger, tu vas dire, putain, il me reste encore un peu de place. Et ça. Non, mais oula, c'est vrai, mais putain, mais bref, c'est pas grave. Let's go. La sauce piquante qui se marie ultra bien. Franchement, leur pizza, je regrette pas. C'est la première fois. Oula, c'est la première fois que j'achète pizza ici là. Première fois. Ça fait combien de temps que je suis installé ici? 11 jours, 12 jours. Voilà. En 12 jours, c'est la première fois que je mange pizza à Paris. Ultra bon.
Bah oui. Tu crois vraiment que j'allais prendre une pizza avec de l'eau ou de l'oasis? Jamais. Un truc comme ça là, c'est soit du gazeux ou soit de l'eau gazeuse. Bordel. Tellement bon cette merde. Quand t'entends ça, déjà d'une, tu dis Alhamdoulilah. Mais c'est bon signe, ça veut dire que ça descend bien. Parce que je peux te dire, il y a des gens, mon gars, ils mangent. Bah, comment ça se fait que je rote pas là? Comment ça se fait que je rote pas là? Non mais on mais putain, mais rigole pas, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, bordel. Oh putain, bismillah. Les bonnes, les bons oignons là. Putain. J'adore. Vraiment, j'adore. Une bonne pizza italienne. Leur onion rings là, je les kiffe. N'hésitez pas à partager encore le live, les gars. En plus, on est en vacances et tout. Je connais. On va être un peu à plus. Merci Loïc pour tes 1 € aussi, mec. Merci pour le soutien. Il n'y a rien qui a dégouliné. Hein. Pourtant, c'est mielleux. Hein. Enfin, mielleux du sens où c'est la sauce barbac. Hein. Je t'ai enchaîné ça comme si c'était des. Je sais pas. Des amuse-bouches. Oh putain, mon Dieu, c'est trop bon. Allez, hop. Petite dernière part. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est vraiment belle. Mon Dieu. Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai pas dégusté? Oh! Comment ça se fait que j'ai pas connu ça au début, ça? Mais quand je vous dis que c'est bon, je fais pas semblant. Tellement bon que je prends même pas le temps de mâcher. Pardon. Bon, j'ai rien fait tomber. Au cas où. Ça fait du bien. Je vous demande pardon. Alhamdoulilah. Ça m'a vraiment fait du bien. Je vais reprendre ça un peu. Ça là. C'est bon. Ne touche plus. Non, ne touche plus. C'était énervant, bon. C'est l'art qu'il fait. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, les rails. Une vidéo, une petite question qui n'a pas duré trop longtemps. Je sens que ça pique. Je vous promets, je sens que ça pique. Je pense qu'ils ont mis dedans, mais ça pique. Je crois que c'est le poivron. Sur ce, les je vais sur cette fin. Y'a comme ça, parce que. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et puis voilà, pour plus de petites dégustations comme ça. Sur ce, les je vais sur cette fin. Y'a comme ça, parce que. Tiens, bah, ici, merde. Oh mon Dieu, putain. Ça descend bien en tout cas.